n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont en attente et puis qui vont régler le problème. Il faut. Hein. C'est comme ça. C'est une équipe. Hein. On peut pas tous. On peut pas. Les 11 titulaires ne peuvent pas jouer tout le temps ensemble. Il y a, là, il y a un problème de suspension. Bon, il faut faire avec. On a des joueurs derrière qui sont là pour le remplacer et puis qui vont faire le maximum. En tout cas, ils vont faire le maximum dans, dans ce qu'on connaît. Et c'est des gens. C'est des joueurs. Avec des mentalités extraordinaires, il n'y a aucun problème. Il est prêt, justement, il n'a pas joué beaucoup. Est-ce qu'il est prêt pour Jovanovic ? C'est pas facile. C'est pas facile pour lui. C'est vrai que c'est compliqué. Et moi, là-dessus, je trouve la situation quand même difficile pour lui. Parce que bon, il faut qu'à chaque entraînement, bah, il montre qu'il est capable de jouer tout ça. Donc il joue pas, il a pratiquement pas de match. Il était un peu, il est un peu dans le système où était Otavio. Et Otavio a réussi à sortir de ça, et ce qui est vraiment très très bien. À Vuca de faire la même chose. Il faut qu'il fasse la même chose. Et, mais bon, c'est aussi à lui de provoquer les choses. Il faut qu'il provoque les choses. Hein. Il y a des joueurs, il y a beaucoup de joueurs à ce poste-là. C'est pas facile. C'est pas facile. Il aurait pu aller en réserve pour avoir le temps de jeu, un peu de rythme. Oui. C'est possible, ça peut se faire, mais c'est pas toujours souhaitable, pas tout le temps, parce que c'est pas pareil, c'est pas le même niveau. Nous, on fait des matchs, on propose des matchs le lendemain, souvent de nos matchs à nous. Donc on a des oppositions, on a fait le maximum pour justement pour qu'ils aient du temps de jeu. Donc on préfère faire ça que de des fois les envoyer avec la Nationale 2, parce que c'est pas pareil, c'est un autre niveau. Et puis il y en a qui ont pas de problème pour faire ça. Mais il y en a d'autres, ça leur pose un problème. Parce que c'est vrai que c'est pas pareil, c'est pas le même niveau. Et il y en a qui sont très très bons, qui peuvent être très très bons professionnels. Puis en National 2, bah, ils redescendent au niveau de la National 2. C'est comme ça. Puis d'autres, c'est l'inverse. Donc ce sera Igor qui remplacera. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, sincèrement, je sais pas. Je sais pas. Non, on n'a pas pris de décision.